Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes le 22 décembre 2011. Ce matin, je poursuis la lecture de Putain d'Isabelle Forcier, alias Nelly Gant, alias Nelly Arcan. Cette terrible confession en trompe-l'œil, ce mentir vrai, cette auto-fiction, Nelly Arcan sachant que la vérité est toujours une fiction. Mais le ton de cette fiction sonne terriblement juste, sombrement et sobrement juste. J'ai suivi de très loin, entendant de moins en moins les rumeurs médiatiques, la polémique entourant la publication récente de la biographie de Nelly Arcan. J'ai cru comprendre que la famille s'y était opposée. Un écrivain véritable n'a ni pays ni famille. Son véritable pays, c'est sa langue, et sa véritable famille est une famille d'élection. Ce sont les esprits duquel il s'est entouré pour continuer à écrire. Et le récit de Nelly Arcan est si accablant pour elle et ses tout proches lointains que sans doute ces derniers eût préféré qu'elle rédigeât plutôt la trilogie du bonheur. Et de raconter ces une, deux, 3000 fois où des hommes m'ont prise ne peut se faire que dans la perte et non dans l'accumulation. D'ailleurs, vous les connaissez déjà, les 120 jours de Sodome. Vous les avez lus sans avoir pu tenir jusqu'à la fin. Et sachez que moi, j'en suis à la 121e journée, tout à fait dans les règles, et ça continue toujours. 122, 123. Il y a l'agence qu'il faut d'abord joindre par téléphone le matin pour réserver sa place. Il faut appeler très tôt pour que me soit donnée l'autorisation d'être présente ce jour-là dans le menu du jour. Est-ce que je peux travailler pour vous aujourd'hui? Est-ce que je suis autorisé à me prostituer chez vous, dans vos appartements? Et je suis désolé pour hier, désolé de n'avoir pu me présenter comme prévu. Voyez-vous, j'avais mes règles. Mais aujourd'hui, c'est bien fini, enfin presque. Et j'ai pensé à tout. Les éponges et les souliers rouges, le déshabillé et l'huile à massage. Et après le premier coup de fil du matin, après que m'a été donné le consentement du patron d'être là ce jour-là, je dois me rendre sur Dr. Penn dans un délai raisonnable, car il paraît que les clients attendent déjà dehors qu'ils font la file. Ils attendent que la putain du jour vienne les soulager avant que leur réunion d'affaires ne les emporte dans les édifices à bureaux du centre-ville. Sans doute veulent-ils commencer la journée du bon pied. Le sexe réduit le stress, c'est bien connu. Enfin, c'est ce que les revues racontent, les sexologues et les médecins. Alors je dois me rendre au plus vite ici, dans cette chambre, accrochée tout au bout d'un immeuble massif et brun, dressé là dans sa laideur aprimodique, on dirait une ruche géante, bourrée de petites alvéoles moisies. Ensuite, il y a les draps qu'il faut changer, s'ils n'ont pas été changés la veille, et les paniers qu'il faut vider, s'ils n'ont pas été vidés. Il faut se maquiller et attendre, faire tout ce qu'on veut, à condition que ce soit discret, que ça ne dépasse pas les limites de l'appartement. Il faut attendre la sonnerie du téléphone qui annonce l'arrivée du premier client, attendre qu'on frappe à la porte le client qui entre, paye, se déshabille, sucer, sucer encore, se faire sucer, les contacts réduits au minimum, c'est moi qui le veux. Enfin, vouloir, c'est à peu près ça, réduire. Et puis, baiser, moi sur le dessus, et ensuite en dessous, et enfin en petit chien, voilà ce que je préfère, car il n'y a que les sexes qui se touchent, je peux grimacer comme je l'entends, pleurer un peu aussi, et même jouir sans que ça se sache, et tout doit être fait 6, 7, 8 fois de suite avec 6, 7, 8 clients différents. Après 8, c'est entendu, je peux m'en aller. Et m'en aller où pensez-vous? Chez moi? Eh bien non, car je ne veux pas rentrer chez moi. Je veux seulement mourir au plus vite, mais pas ici. Pas dans cette chambre, la police, l'enquête et mes parents soudainement impliqués dans ce commerce, les questions, la torture et puis quoi encore, la fin de moi poursuivant ma souffrance dans mes géniteurs, les découvreurs de ma pitrerie, de ma putasserie, la seule chose que j'ai en propre, salement propre. Et même après tout, car il y en a des masses de putains de toutes les sortes
et surtout de la mienne, la race des jeunes femmes prématurément vieilles, abrutissantes dans la jacasserie de leurs pensées, pleurant derrière les yeux pour ne laisser que l'image parfaite d'une putain jetée là, fagotée en talons et en sourire moqueur, déballant ses jambes et défiant le visiteur de son inépuisable souplesse. Et il faut voir la chambre où j'entends les clients, il faut la voir pour comprendre quelque chose à cette vie d'attendre qu'un homme frappe à la porte, il faut voir le lit, la table de chevet et le fauteuil qui forme un triangle et qui se regarde depuis leur emplacement, depuis leur solitude de servir à tous et de n'appartenir à personne, de porter la trace de l'usure sans avoir d'âme, comme les bancs de gare sur lesquels on s'impatiente en regardant sa montre tous les quarts d'heure. Il faut voir l'unique lampe qui éclaire jaune, qui donne une apparence de soirée ou journée, le lit blanc en bois compressé au pied duquel s'accumulent les poils des clients, de petites mottes qui roulent lorsqu'on ouvre la porte qui traverse la pièce comme des chatons gris poussés par les courants d'air, les mottes que je ne ramasse pas jamais, je les laisse courir car je veux qu'elles soient vues, qu'elles marquent les rapports avec les clients, j'aime qu'ils ne soient pas trop à leur aise, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls dans cette pièce, que d'autres y sont encore un peu, qu'ils ne sont qu'un point perdu dans la série d'hommes qui passent et qu'ils se retrouveront en tas, indifférenciés sur le plancher. Je veux qu'ils comprennent que cette chambre n'est pas la mienne et qu'elle est fréquentée par tant de gens qu'il ne vaut pas la peine de l'entretenir. Et puis de toute façon, un autre viendra bientôt. Il faut faire vite, s'habiller dès que fini et partir aussitôt pour ne pas rencontrer celui qui est sur le point d'arriver. Il faut les voir s'habiller à toute allure, les entendre filer dans le couloir pour rejoindre la ascenseur. Il faut imaginer leur air de n'avoir l'air de rien, comme si de rien n'était, comme si payer une femme pour coucher avec elle n'était impensable que lorsqu'on croise un témoin. Et il y a bien la pile de magazines que je ne lis pas, achetée par l'agence et posée là sur la table de chevet pour le divertissement des putains, des magazines exprès pour moi, mais je ne sais pas pourquoi, détaillés de jeunes adolescentes à moitié nues qui me regardent de leur bouche entrouverte à tour de page, ne me divertit pas, elles me font peur. Plutôt les retourner face contre terre, plutôt arracher la couverture aux jouis cambrés, la schtroumpfette en chef, l'employé du mois, en clé de slogans stupides, toujours les mêmes, spécial sexe, tout sur le sexe, comme s'il ne suffisait pas de le faire tout le temps, comme s'il fallait aussi en parler, encore en parler, cataloguer, distribuer 10 trucs infaillibles pour séduire les hommes, 10 robes à porter pour faire tourner les têtes. Comment se pencher, mine de rien, vers l'avant pour faire bander le patron? Il faudrait les émietter une par une, les balayer sous le lit avec les enveloppes de préservatifs, jeter là parce que le panier n'était pas à la portée de la main, parce qu'il était plein. Mais ça ne sert à rien, car elles sont trop nombreuses. D'autres magazines seront empilés au même endroit la semaine prochaine. D'autres schtroumpfettes me défieront de les émietter. On ne peut rien contre ce qui est à recommencer chaque semaine. Il me faut donc les laisser à leurs 15 ans et leur perfection de bouche entrouverte, à leur royaume de posture affolante. Et il fait toujours sombre dans cette chambre parce qu'on ne peut pas ouvrir les rideaux. Il faut les laisser fermés pour ne pas attirer l'attention des voisins qui pourraient à chaque instant regarder par la fenêtre de leur cuisine en lavant la vaisselle ou en coupant des oignons. Les voisins qui ne doivent pas savoir ce qui se passe ici et qui ne savent peut-être tout ce qui s'y passe depuis longtemps, et de mon côté, je peux les imaginer lavant leur vaisselle ou coupant leurs oignons, en remarquant que les rideaux de l'appartement d'en face restent obstinément fermés depuis plus d'un an, que de temps à autre, une main de femme se ferait un chemin pour ouvrir la fenêtre sans jamais ouvrir les rideaux. Je peux imaginer leurs réflexions sur la bizarrerie des gens. Le monde est fou, les voisins sont paranoïaques, et peut-être sont-ils eux-mêmes des clients, qui sait, des clients à qui on a vendu mes mérites de putain, à qui on a fait par téléphone la promotion de mon corps, 36, 24, 36, 20 ans aux yeux bleus. Ouais, monsieur, elle est très jolie et elle donne un bon service. Elle peut vous rendre
service plusieurs fois de suite, vous sucer comme personne. Elle peut aussi se faire enculer pour un peu d'argent, un petit extra. Et allez donc sur Internet, on peut y voir des photos où elle monte ses seins. Enfin, juste ce qu'il faut pour vous faire bander. Et allez du même coup lire ce qu'on écrit sur elle dans les forums de discussion sur Canada's Best, où on converge de toute l'Amérique pour tenir à jour ses exploits. C'est une vedette, la star de l'agence, tout le monde l'adore, car elle se donne tellement de mal. Elle se donne tellement de mal, vous la redemanderez. Et ainsi, on me fait de la publicité, en échange de quoi je donne la moitié de ce que je gagne. Je travaille pour une agence d'escorte qui annonce dans les journaux anglophones. C'est une agence qui reçoit. C'est dire que vous n'avez pas loué une chambre, car on la loue pour vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas à aborder une femme dans la rue, car elle vous attend déjà, sa petite frimousse qui s'agite d'impatience sous les draps. Oui, je suis une escorte pour qui veut croire que je ne suis pas un putain. Enfin, pas tout à fait, car j'ai de la classe et de l'éducation, que j'accompagne les hommes plutôt que je ne couche avec eux, que je ne les suce que si j'en ai envie, que je peux choisir et dire non. Celui-là ne me plaît pas, il est trop gros ou trop vieux, il a les pieds sales. Je veux seulement discuter des nouvelles coupures budgétaires du gouvernement, manger du caviar et boire du champagne. Je suis une escorte car je ne fais pas le trottoir, enfin, pas encore, et je me donne pour 50$ la demi-heure et 75$ pas plus. Les clients me payent 100 ou 150$, mais je ne garde que 50 ou 75$. Et 50 ou 75 fois ou 8 clients par jour donnent presque 500$. C'est plus qu'il n'en faut pour s'offrir une nouvelle garde-robe chaque semaine. Et je suis une putain qui aime se faire traiter de putain, qui aime faire parler les clients de leur famille. Sont-ils mariés? Ont-ils des enfants? Et que diraient-ils si leurs femmes et leurs filles étaient des putains? Et que penseraient-ils si, comme moi, elles attendaient leurs clients en jetant les enveloppes de préservatifs sous le lit et en laissant courir sur le plancher les poils des derniers jours? À quoi ils répondent que je ne suis pas une putain, que je suis une escorte et que de toute façon, je dois bien avoir une autre occupation. Aller, par exemple, à l'université. Mais oui, c'est vrai, je vais à l'université. Je suis une putain qui étudie. Et quel bonheur d'avoir une famille à l'abri alors qu'on putasse avec les étudiantes. Et dans leur embarras, ils font dévier la conversation. La drogue, dans les écoles, quel fléau, quel scandale, ruiné d'enfants, la vie d'enfants si jeunes avec de telles substances. Et moi, je reviens fatalement à leurs femmes et à leurs enfants. Je suis une putain qui a la suite dans les idées. Couchent-ils encore avec leurs femmes? Ont-ils une vie conjugale satisfaisante? À quoi ils répondent qu'après avoir eu des enfants, les femmes n'en veulent plus, qu'elles n'en ont plus envie, ni des queues, ni des enfants, qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Et là, ils enchaînent sur moi, sur la jeunesse de mon corps, derrière laquelle apparaît le cadavre de leur femme. Bonne journée.